Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va simplement tester un petit peu le deck 13 si je me rappelle bien. Donc on va faire les trois petites attaques. Bon, je vous le dis comme ça, hein. Ce deck franchement à première vue, hein. Bah il est pourri. Hein. Ouais, j'arrive pas à attaquer avec, je comprends pas pourquoi. Donc soit on va faire ça. C'est pas forcément la meilleure des solutions, mais j'ai pas trop envie qu'il casse mon canon et en plus qu'il casse, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus du tout, je vais vous dire ça peut-être. Ça s'appelle... Ah, mon canon et mon extracteur d'élixir, voyons. Bon là par contre il est vraiment en train de... Bon c'est pas grave, on va envoyer du Valkyrie Cochon, on va voir ce que ça donne. On prépare les flèches au cas où. On prépare les flèches. Ok c'est bon. Ok, vas-y, plus vite possible. Tu vois le problème c'est qu'on peut pas se permettre d'envoyer les flèches avant, tu vois. C'est pas possible, tu peux pas te permettre, c'est pas possible parce que sinon tu fais n'importe quoi après tu vois. Bon alors, en voyant quand même de tuer un minimum, ça passe, ça va. On va mettre peut-être la Valkyrie en bas. Je sais pas, pour l'instant je préfère pas me prononcer. Ok, je vais mettre de la Valkyrie. Hop là, voilà, on va mettre ça. Tranquillou. Oh là là, regardez-moi ça. En plus il a failli son truc. Ce qu'on va faire ça. Et qu'on va faire ça. Ok. Puisque là ça passe quand même, hein, non? Attendez, on va essayer de mettre une destruction. Ouais, ça passe. Ça passe. Ça passe, les gars. Bah ouais, mais finalement, tu vois. Si j'essaye de bien jouer, ça peut fonctionner. Bon, allez, ce qu'on va faire, on va remettre un petit extracteur d'élixir juste là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ok, on va faire ça. Hop. Je sais que c'est pas bien de le mettre à côté de ce que je pense, mais bon. Je peux pas vraiment faire autrement. Ça passe ou pas? Ouais. J'ai envie de te dire qu'il y a mieux quand même, hein. Il y a beaucoup mieux même. Bon bah c'est pas très grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Voilà, on va essayer de prendre des flèches quand même. Ce qui pourrait être vraiment pas mal. Bon, bah, apparemment, il n'a pas l'air d'envoyer quoi que ce soit. C'est pas très grave. Ok, il y a moyen quand même de tuer un minimum. Oh, ok, ça passe. Bon. Je vous avouerai que là, je suis un petit peu perplexe quant au taux d'échec. Non mais je déconne. Non mais je suis vraiment je sais pas, je me dis pas que je vais y arriver, tu vois. Je me dis pas que je vais y arriver. Ça va être compliqué. Voilà, en plus monsieur aime bien envoyer des boules de feu. Putain, j'aime pas les gens qui savent pas jouer comme ça. Les gens qui envoient des boules de feu, c'est ceux qui savent pas jouer, tu sais. Ok, ça passe ou pas? Ok, ça passe. Est-ce qu'il y a un moyen de le rattraper mes deux? À mort, s'il vous plaît, à mort. Mais non, il a des gargouilles et tout. En plus j'ai pas de boules de feu ou quoi que ce soit pour faire pareil que lui là, histoire de lui montrer que hein. Lui il va envoyer une boule de feu de toute façon, voilà, il va jouer, il va pas jouer réglo. Et ben voilà, il est content. T'as vu pourquoi après on perd? Parce qu'il y a que des mauvais joueurs comme ça. Allez, en plus il se fout de moi, t'as vu? Voilà. Là t'as envie de faire quoi quand il fait ça le mec? T'as pas envie de foutre une grosse tarte dans là, hein? Ouais, c'est un truc géant. Allez, c'est parti les gars pour la petite deuxième attaque avec Aku. Donc bonne chance mon pataille. Bon, cette fois-ci on va essayer de faire mieux que ça. Donc on a un petit extracteur d'élixir dès le début, on le pose, tranquillou. Ah bah tiens, sauf qu'au moins il est que niveau 1, hein. bon alors, ce qu'on va faire peut-être du Valkyrie Cochon. J'ai des flèches, donc ça peut être pas mal. On va essayer de l'envoyer à l'opposé de là où il envoie. Ah, je sais pas, hein, parce que moi, ma Valkyrie, elle sert beaucoup à la défense. Et c'est là qu'intervient le petit problème. Alors, c'est mieux, c'est quoi qui est mieux? Les flèches ou le petit machin? Bon, ce qu'on va faire, ce qu'on va tester. Ouais, on va rien envoyer au pire. Au pire, on n'envoie rien. Au pire des cas, on n'envoie rien du tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer le petit squelette. Et qu'on va envoyer le petit canon. Comme ça. Ouais, nickel. Au moins, parce qu'en fait, j'ai fait exprès de... Merde. Attendez, juste deux secondes. J'ai fait exprès de pas toucher... Vous voyez, ça arrête presque pas, les troupes. Oh, mais je joue déjà mieux, t'as vu? Je joue déjà mieux, là, hein. Ouais, c'est pas mal, ça, c'est pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vers la gauche. Oh, l'extracteur d'élixir, il m'a donné un petit élixir en plus. J'ai fait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais oui, c'est l'extracteur d'élixir. C'est pas mal, ça. T'as vu, il a pas de horde de gargouilles d'un coup, tu vois, c'est un peu plus dur pour me contrer là. Hein. Bon, ce qu'on va faire, on va peut-être attendre que l'extracteur d'élixir soit, voilà quoi. Ouais, donc je joue un peu mieux, je trouve. Donc c'est plutôt pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça là, et puis qu'on va mettre le petit extracteur d'élixir, tranquillou. Ça va être plutôt pas mal. Bon, alors, juste comme ça,
On va mettre des petits squelettes. Ah, c'est pas bon, c'est pas bon. J'ai pas bien réagi là. Vouloir mettre des squelettes, c'est pas bon ça. Ouais, je sais pas. Je me prononce pas sur le coup là, je sais pas. Bon, j'avoue que là c'est pas très. Ouh, ça fait mal ça par contre. Ça fait très très mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer des flèches et on va envoyer du petit sort de zap. Donc l'électrocution. Non ! De rien du tout, mon gars ! De rien du tout. De rien du tout. Rien comme il est. Regarde le PK qui est complètement poussé par. Enfin, complètement ralenti par le truc là. Bon, c'est pas très grave, vous savez quoi, on va quand même y arriver. On va faire du Valky Cochon. Il a plus de PK pour nous contrer. Quoique si, en fait, il en a. Étant donné que ça va passer. Mais bon, il envoie pas de PK. D'ailleurs, en plus, c'est la meilleure des troupes, le PK, pour ralentir comme ça. Et puis, il le fait pas. Voilà. Il y a moyen quand même de. Bon, ça va. Ça va. Non, c'est pas l'électrocution qui a cassé la tour. Pas du tout, arrête. Moi, j'avoue que j'ai fait un peu l'enfoiré. Mais j'y ai pas pensé sur le coup, tu vois. Moi, j'étais là pour ralentir les troupes, tu vois. Bon, et ben dis donc, il aime bien me casser les tours, lui, hein. Non, mais aussi, ouais, mais c'est impossible de jouer avec son deck à lui, là. Mais comment il fait pour jouer l'autre, là? Et puis dire qu'il était premier alors qu'il y avait de la princesse, il y avait des machins, des machines. Wow, quoi. Il faudrait peut-être arrêter de se foutre de moi, pété, hein. Oh, comment t'as fait pour jouer avec ça, toi? Mais le mec, il est surpuissant, c'est pas possible. Bon, alors. T'as pas eu la troisième tour. T'as pas eu la troisième tour. Tu ne sais pas jouer. Ouais, c'est bon, là. Il est content. Ah, il est content. Et en plus, tu dis merci. Allez, vas-y, tais-toi. Bon, alors. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire tout de suite pour une troisième attaque. Franchement, ce deck, mais alors là, mais... Mais il est impossible à utiliser. Comment il fait, l'autre? J'avais bien démarré, mais vas-y, il faut qu'il sorte un PK, le mec. Un PK. Comment tu veux que je ralentis le PK? Oh là là. Et avec ce vieux sort d'électrocution, là, qui sert plus à rien, je te jure. Oh là, je ferais mieux de le remplacer par un géant, tu sais. Enfin bon, moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire tout de suite pour notre attaque, c'est parti. Eh, c'est parti les gars, on est contre un petit niveau 7 qui s'appelle Hume. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire bonne chance. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de temporiser. Donc on va mettre un petit extracteur de lecture niveau 1, ta-da-da. Non, on va mettre un petit extracteur ici, histoire de... Ouh, attendez. Petit sort d'extraction, pouf. Ah, mon sort d'extraction n'est pas assez puissant pour bien contrer, c'est pas très grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit canon. Voilà, et on va envoyer du... Allez, envoie-le le canon, wesh. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer du cochon, je pense. On va l'envoyer à gauche. Et on va envoyer une petite Valkyrie, tranquillou. On va prendre des flèches, tiens. Au cas où. C'est bon? Bon, bah ok, nickel. Ce qu'on va faire ça. Hop là, pour pouvoir tuer un max. Ouais, ça passe. Regardez-moi ça, comme il a le démon là-bas. On va mettre ça. Hop là. Nickel, regardez-moi ça. Bon, bah tu vois, là, on est tombé sur la bonne personne, apparemment. On est tombé sur la très bonne personne. Bon, alors, il y a moyen quand même de tuer un minimum. Ouais, tranquillou. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer... chevaucheur de cochon, là, il... Ah, j'ai pas trop envie, chevaucheur de cochon, j'ai pas trop envie. Bon, c'est pas grave, on va... Ça va. T'as vu, au moins, il me détruit pas mes extracteurs d'élixir. Ça fait plaisir. Ah mince, j'ai oublié, oui, j'ai pas assez, du coup. Je viens d'envoyer un... Oh là là, mais quel nul. Bon, c'est pas très grave, on va quand même tenter de faire un truc. Allez, chevaucheur de cochon, on est chaud. Allez, on est chaud, chevaucheur de cochon. Bon, j'aurais préféré envoyer l'électrocution, mais j'ai fait n'importe quoi, c'est pas très grave. On va quand même essayer de faire un truc. Ouais, ça va. Au moins, on défend un minimum, hein, c'est déjà bien. J'aurais dû envoyer l'électrocution, je suis vraiment bête. Bon, c'est pas très grave, ça arrive. C'est comme ça, voilà, ça arrive des fois. On fait n'importe quoi. Mais ça va, ça passe plutôt bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer ça. Voilà, pour essayer de garder un petit peu les... Ok, je vais envoyer ça. Je vais garder l'électrocution avec moi, histoire de pouvoir défendre au cas où qu'il met ce que je pense. Ah, est-ce que ça passe? Ah non, il m'a pas tué. Électrocution, vite. Ah, dommage. Dommage. C'est pas si grave, mais bon, c'est dommage. Bon, c'est pas très grave, parce qu'on... Ok. Hop là. Ce qu'on va faire, on va faire ça. Oh, je pensais avoir envoyé la Valkyrie. Bon, c'est pas très grave. Ça passe ou pas? Oh, ça passe? Non. C'est génial. Oh, franchement, c'est génial. Bon, pourquoi j'ai envoyé des flèches, mais franchement, je te jure. Bon, c'est pas très grave. On va quand même réussir, c'est moi qui vous le dis, les gars. Alors là, je suis super concentré de ouf. Mais bon, qu'est-ce que je te dise, c'est comme ça. Ce qu'on va faire, on va aller du bout de terre. Voilà, ok, ça passe. Oh, ça passe, Mamtei. Ouais.
Ouais. Oh, dommage. Ah, il a... Oh, trop fort. Bien joué, mon gars. Bien joué. Bon, bien joué. En vrai, je pense pas ça. En vrai, je me dis, ah, toi, envoyer des boules de feu, c'est pas bien. Mais bon, disons que c'est vrai que la manière dont je joue, c'est vrai que, bon, je comprends aussi un petit peu que ça peut énerver et que... Tu vois, parce que je fais que défendre. Donc forcément, il y a un moment, ça énerve, donc t'as envie d'envoyer des boules de feu. Mais bon, malgré tout, je trouve quand même que c'est pas bon. Mais bon. Disons aussi que j'envoie du cochon pour finir une tour. C'est vrai qu'à ce niveau-là... Hein, voilà, il y a... Mais enfin, bon. Bon, ce deck... Bon, il y a moyen de gagner, hein. Il y a moyen de gagner, mais j'ai les... Ah ouais, mais c'est... J'étais contre un niveau 7. Mais forcément, forcément. Le seul moment où je gagne, je suis contre un niveau 7. Qu'est-ce que tu veux qu'on me prenne au sérieux, quoi. Non, mais bon, c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Franchement, j'arrive pas à l'utiliser. Enfin, du moins, je sais pas, je vois pas comment on pourrait mieux utiliser que ça. Tu mets de la défense comme ça pour quand il y a du géant ou des troupes. Après, bah ouais. Ça, je sais pas s'il faut l'utiliser en défense. Ou si on peut utiliser en attaque avec le chevaucheur de cochon. Disons que vous avez vu, ça a quand même bien fonctionné en attaque avec le chevaucheur de cochon. Après, ça dépend s'il y a des hordes de gargouilles ou des trucs comme ça. Ah, ça dépend. Ouais, donc après, je sais pas. Je sais vraiment pas comment on peut vraiment bien l'utiliser. Ouais, je sais pas. Est-ce que ça vous intéresse ce deck? Je sais pas du tout. Moi, je vous ai montré. J'ai essayé de faire de mon mieux pour trouver des bonnes techniques à utiliser avec. Mais bon, disons que c'est assez compliqué. Il faut s'y habituer, je pense. Je pense qu'il faut s'y habituer parce que c'est compliqué. Après, moi, il y a un truc que j'ai changé si j'étais vous. C'est l'électrocution, j'échangerais contre, je sais pas moi. Du genre ça, même ça, ça serait mieux que l'électrocution. Ou je sais pas moi, ou les archers, carrément. Les archers sont tellement puissantes de ouf. Je mettrais les archers à la place. Ou alors, non, peut-être un peu trop sûr. Hein. Je sais pas, ou alors sinon un petit spawner comme ça. Ouais, ça ferait peut-être un petit peu trop de bâtiments défensifs. Ou peut-être du bombardier. Pourquoi pas du bombardier? Ou alors de la gargouille. Ouais, un peu de gargouille, ça ferait toujours plaisir. Bah, je sais pas, après vous faites comme vous voulez. Ou alors, sinon, ne serait-ce que déjà des gobelins à lance, c'est déjà bien. Bon, alors. Bah, d'un côté, il coûte un petit peu. Enfin, tu vois, il coûte trop peu cher. Donc, peut-être que des archers, ça serait mieux que autre chose. Mais bon. Après, vous faites comme vous voulez, voilà. Donc, bon, j'ai essayé de voir un petit peu comment ça pouvait faire. Bon, j'ai envie de te dire que c'est pas extrême. Du moment où la personne a commencé à avoir des boules de feu, bon, t'as bien vu qu'elle touche la tour assez rapidement. Bon, ça commence un peu à vite embêter notre deck, mais bon, malgré tout, c'est pas, ça reste compliqué. Mais au moins, il y a un point positif là-dessus, c'est que personne ne pourra lancer des flèches pour tuer nos troupes, parce que c'est des troupes plutôt badass, tu vois. Enfin, des troupes quand même plutôt résistantes. Tu vois, tu les regardes pas dans les yeux, ces troupes-là, tu vois. Bon, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais essayer sur ce. On s'est fait trois petites attaques du deck. Ça va, ce deck... Il fait plaisir, ça fait un petit peu de renouveau, mais... Ah, ça vaut pas ce deck, ça vaut pas ce deck. Regardez, ça c'est du deck, ça. Ça c'est du deck. Il manque plus que la petite princesse à la place des flèches, et c'est le deck parfait, Montei. Ben ouais. Bon, il y a juste un petit défaut, c'est qu'il y a trop de petites troupes. Mais disons que ça va, il y en a que 3, c'est pas non plus énorme. Hein. Moi j'ai toujours bien réussi, donc ça passe. Donc du coup... ce que je vais faire, c'est que je vais essayer sur ce. Je vais vous dire à une prochaine vidéo, je vais vous dire ciao, et puis n'oubliez pas... Restez cool.